d'évangélisation, de délivrance des villages. Et les nous avons comme nous introduisons le programme. C'est comme ça. Ça ne met quoi là. Nous allons sans prier pour le village. En fait de pouvoir rebâtir les fondements. Je veux voir tout le monde debout. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer Jésus de Nazareth? Akababwe. Est-ce qu'on peut clamer Jésus? Akababwe. Non, je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut clamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le micro. Oh,
Je suis un guimauve, 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 je suis un guimauve
Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que cette cette rencontre sera pleine de cérémonies, riche en cérémonies. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 9. Nous allons commencer à renverser les fondements, c'est-à-dire repositionner les fondements des chrétiens. À partir de Daniel, le chapitre 9. Alléluia. Il s'agit là de la consécration de ce village. Daniel, oh, afroani, bam. Écoutez très bien la parole de Dieu. Duo, oh, sakalo, togo, togo. Regardez comment on consacre un village à Dieu. Abate, sawai, zolo, lago. Allons-y avec la lettre. Lago. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des maîtres. Darius, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. On le voit bien à tout. La première année de son règne, moi, Daniel, à mon Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. J'ai vu qu'il s'écoulait 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. Écoutez très bien la parole de Dieu. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. L'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. L'Éternel a savoir Jérémie et dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière. Afin de recourir à la prière et aux supplications. En gênant. Et en prenant le sac de la somme. Allons-y. Je priais l'Éternel. Je priais l'Éternel. Mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur. Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. C'est qui garde ton alliance, fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observe ton commandement. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Les prophètes qui ont parlé en ton nom. Qui ont parlé en ton nom. À nos rois. À nos chefs. À nos pères. À toi. Et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur. Et la justice. Et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Judas. Aux habitants de Jérusalem. Et à tout Israël. À ceux qui sont prêts. Et à ceux qui sont loin. Et tous les pays. Où tu les as chassés. À cause des infidélités. Se sont rendus coupables envers toi. Seigneur. À nous la confusion de face. À nos rois. À nos chefs. À nos pères. Parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur. Notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Notre Dieu, pour suivre ses lois, lorsqu'il avait mis devant nous par ses serviteurs et les prophètes. Okay. Tout Israël a transgressé ta loi. Israël est bon, oui. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Oui. Alors se sont répandus
Alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Serviteurs de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles. Alors tu as accompli les paroles. Il avait prononcé contre nous. Et contre nos chefs. Qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous. Il a fait venir sur nous. Une grande calamité. Et qu'il n'en est jamais arrivé. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Amen. Alléluia. Ce que nous devons retenir de ce passage, c'est la prière de David. Et Daniel est plutôt adressé à Dieu. Il arrivait un moment de l'histoire du peuple d'Israël. Au moment où Jérémie était prophète sur Israël, le peuple avait détourné, c'est-à-dire le dos à Dieu. Le peuple s'est retrouvé dans un moment de péché. Et Dieu va livrer ce peuple à un peuple étranger. Et Daniel est né dans un pays étranger. Et la malédiction devait demeurer pendant 70 ans sur le peuple d'Israël. Selon la prophétie de Jérémie. Et après les 70 ans, Dieu allait rebâtir, repositionner Israël. Alors voici un homme qui suivait l'histoire. Bien qu'il soit né dans un pays étranger, il était accroché à son histoire. Quand vous regardez un peu la vie de Daniel, à Babylone, dans ce pays-là, il était tellement à l'aise, il était bien, mais il avait quelque chose en lui. L'histoire, la délivrance de son peuple. Il savait qu'il était à l'étranger. Alors il va prendre le livre des chroniques, le livre des souvenirs, et il retourne dans l'histoire. Et que les 70 ans venaient d'être épuisés. Les 70 ans venaient d'être épuisés. Alors le monsieur qu'on appelle Daniel, notre frère, va rentrer dans un moment de prière. Il va rentrer dans un moment de prière. Et quand il a commencé la prière, il va commencer par une série de confessions. Il va d'abord demander pardon pour les péchés de ses parents. Nous allons commencer par le commencement tout à l'heure. Nous allons ensemble nous tenir encore debout, s'il vous plaît. Je vous disais que ce soir, cette cérémonie sera plus riche. Oui. Cette rencontre sera riche en cérémonie. Nous allons nous tenir debout, nous asseoir. Amen. Nous sommes venus à la prière. Qui est vivant et qui peut acclamer Dieu? Je n'entends pas bien ta voix, André est vaincu. Qui est vivant? Alléluia. Nous allons tous lever les mains. Et nous allons commencer par le commencement. Nous allons demander pardon à Dieu. Depuis que les grébions se sont installés ici, les pratiques mystiques, le péché, la sorcellerie, nous allons ensemble demander pardon à Dieu. On ouvre la bouche et on demande pardon à Dieu. Je veux voir un peuple qui prie. Je vous demande de prier, ouvrez la bouche et prions le Seigneur. Prions s'il te plaît, Jésus, invoquez ton nom pour Crémien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander pardon. Pardon pour tout ce qui se fait ici, notre Dieu. Oui, notre Dieu, nous voulons te demander pardon. Pardon, notre Dieu. Oui, nous réclamons le sang de Jésus. Tout ce village qu'on appelle Grémion, nous réclamons le sang de l'agneau.
Nous réclamons le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons ton Saint-Nom, notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te bénir. Oui, grand Dieu. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Nous te bénissons. Veuillez vous asseoir. Je vais appeler notre père Patriarche, mon papa. Il me souffle qu'il se déplace un peu. Oui. Amen. C'est l'ouverture de la cérémonie. Nous sommes en train de faire des cérémonies. Il est aussi habitué, c'est un homme de cérémonie. Oui, la chaise. Oui. Apportez la chaise. Nous allons changer l'histoire de Grenier. Avec un nouveau voyage qui est maintenant nous voyons. C'est pas ce qu'on veut. Quand on donne le micro.